qui pral naturellement garantir tout ça que nous pral gagner pour nous faire la loi, institution, etc., etc., qu'on pral gagner en État-nation. Bon, Siko, quittez-moi entrer là parce que nous divergeons avec Ralph dans la question de l'État-nation parce que nous disons pas une nation haïtienne. Ça, je ne suis pas d'accord avec elle et je ne suis pas d'accord avec elle. Parce qu'il faut comprendre la définition de qui ça en nation. En nation, c'est un peuple qui vit en côté, qui partage certains traits. Couleur, religion, histoire, culture. Nation haïtienne n'a partagé tout ça. Cependant, là nous pensons en termes de pays, n'importe pays sur la terre, où nous devons poser en deux parties. Soit on gagne l'État-nation ou bien on gagne nation d'État. Les États-Unis sont nation d'État. Ce sont des États qui créent une nation. Jusqu'à présent, pour qu'on ait une nation américaine. Ou bien United States Citizens, si vous voulez le comme ça. Ça n'existe pas parce que ce sont des nations d'immigrants qui sont still formés. Parce qu'ils n'ont pas partagé même langue, même ceci, même cela. Ça, c'est une. Qui est différent de l'État-nation de la France. Le peuple français, c'est la nation française. C'est l'une et de ces. En Haïti, c'est toujours différent après l'indépendance. Pour qui ça? L'État, c'était un bagaille et la nation, c'est un autre. Ça veut dire, problème historique là, son problème, non, n'est pas seulement un problème de État qui parle de nation, bien nation qui pas fait partie de l'État, c'est qu'il y a deux histoires divergées et différentes. Nous pas jamais réconcilier. Nous pas ces 31 constitutions qui pas jamais réconcilier. Nous pas jamais même créer institutions qui pour permettre ça. Peut-être ça qui fait plus défaut, et m'a retourné. Parce que, qui côté nous crée une nation haïtienne? Non, parce que c'est une nation de révoltés. C'est une nation d'indigènes. En fait, jusqu'à présent, nous sommes une nation de révoltés. Les gens qui sont là, ils sont révoltés, ils révoltés. Ça veut dire qu'ils sont sans nous, ils sont racines. Ça veut dire que nous sommes une nation. Mais l'État n'a pas jamais occupé le peuple. Ou bien dit, il n'y a pas de l'école, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de santé. Pas de monde qui prend responsabilité. Parce que yo a réglé les affaires intérêts personnels de clan yo, qui vient à point côté que divergence en fait historiquement, côté que nation haïtienne avec l'État haïtienne, priorité était différent. Dans les premiers 150 ans d'indépendance, haïtien se voulait français. Il parle haïtien. L'État n'a pas parlé créole, l'État n'a pas écrit créole, l'État n'a pas chanté créole. Il n'y a pas fait rien qui reflétait la réalité de peuple qui vivent dans là. C'est peut-être en 1987, ou bien nous devons aller plus loin, en 83, sous Jean-Claude Duvalier, il a fait un petit remaniement constitutionnel qui est venu à créole comme une langue d'éducation qui permet de rentrer dans le formulaire, dans le curriculum, dans la notion gouvernement dans le pays. Effectivement, René Préval-Vigny, il a parlé de l'autorité de l'État, et vraiment, c'est un premier leader qui a, si vous voulez utiliser le mot ça, qui a parlé créole à peuple, langue que peuple a comprenne. Parce que tout le monde c'est français, il a parlé avec. Ça veut dire, tout bel discours, il n'y a pas qui sa plan de gouvernement est, qui sa gouvernement a dit, ça a été fait, ça va le bail. Tout c'était littérature. Parce que leur parler, il faut peuple la comprendre. L'on explique ça pour le faire, ça le doit faire, faut le cas exécuter, faut le cas marcher devant. 12 janvier, by peuple haïtien, chance pour le commencer le processus. Oui, professeur, m'daremè pour by Ralph, parce que directement, pratiquement objection a été faite ensemble avec approche qu'elle t'a fait amener mais pour répondre avant que moi-même bral boy un petit bagage sur la question d'état nation. Alors et gros bagage qui fondamental et parce que j'ai l'impression l'entrer dans détail c'est pas qu'une grande divergence nous grande divergence vrai parce que ou exactement défini ou pointé du doigt toute bagaille qui mène moi ça avec conclusion et qui fait d'accord ça avec historien qui dit que nation haïtienne n'est pas naître
yon nan bagay ki fondamental nan defini konsept nation, c'est non seulement un peuple qui partage culture, qui nan ou même historique, mais yon genyon aspiration commune. Et aspiration sa sou gade nan tout bagay ko sou pale yo la, qu'une passe 31 constitution nous conseille de bagay, c'est que nous sommes un peuple qui a cherché nous, n'a cherché tête nous. Même toute question sous question et langue nan. Parce que l'on parle de régime Duvalier qui était en Ivine qui était dit bon OK en introduit créole. Mais notez que il était venu avec et réforme Bernard là, Bernard était en Ivine dit que à la recherche d'un curriculum qui haïtien, il en Ivine dit n'a introduit créole comme langage d'instruction, mais régime Duvalier immédiatement après yo anik di monsieur bon nous pour ka implémenter réforme ça par ekob et puis après ça yo anik metel de yo dans cabinet donc ça il dit nous a cherché créole là encore sou garder kounyan l'on a fait discussion malgré et même d'accord en pile pour nous parler de créole pour nous promouvoir créole mais réalité c'est que qui ça passe qui ça fait réforme là il était échoué c'est parce que tout non seulement tu gagné les écoles privées qui t'en résister réforme là mais c'est parce que tout gagné des parents qui te anik dit non le mal dans administration publique là c'est en français ou parlant ça avec moi donc kounya yo te wè créole là comme un élément pour anik et pour anik météo derrière kembe on nan yo état de d'oppression donc ça il dit nous a chercher tête nous comme nation c'est l'intérêt national il pas défini maintenant l'on parle de américain bien que son nation immigrant que lié mais gagner le rêve américain qui c'est on bagaille que quel que soit monde qui vini ici là li a poursuivre yo bagaille le rêve américain ce rêve américain qui fascinait moun nan et qui son bagaille qui vinn faire tout leur gagne discussion nan sous scène politique là gon côté yo en écrivé yo dit non ça c'est américain parce que c'est américain nous pas prêt aller là pour nous mettre pays en danger. Donc ça dit gon bagaille qui plus grand que intérêt nous chaque là qui en vient faire que nous ka dit non en raison de ça nous pas pral là nous même en Haïti nous pour arriver dans point pour gagner cet intérêt national qui plus grand que nous même qui plus grand que intérêt que nous gagner nous pour définir nous pour toucher nous pour joindre qui ka en fait que nous en dit n'a fait sacrifice. Donc c'est là que noté de dit après l'indépendance parce que m'bra aller dans un bagage pour me dire que et m'a prend définition nation et nan petit Robert et nous connaît dictionnaire français qui dit une nation est un groupe humain constituant une communauté politique établie sur un territoire défini et personnifié par une autorité souveraine. Donc pour le dictionnaire de la langue française, il dit au contraire que la nation est un ensemble de personnes vivant sur un territoire commun conscient de son unité historique, culturelle, etc. et constituant une entité politique. Mm-hmm. Donc c'est ça et que nous manquait après l'indépendance. C'est ça que nous manquait après l'indépendance puisque intérêt historique yo et culturel yo pas semblable non par rapport ensemble avec acteur qui t'est entendu yo dans premier temps pour t'arriver à l'indépendance. C'est et mais c'est même bagage ça nous t'es supposé poursuivre. Et puis après, pour Pétion, t'es entendu et avec Dessalines, et l'autre, t'es naturellement grand général Noyau, et pour t'es entendu. Mais qui ça t'est passé? Il t'est prouvé, avant même l'indépendance, il t'est prouvé que nèg ça eux-mêmes, c'était en France, t'as fait va-et-vient, et puis eux-mêmes, ils t'ont dit comme ça. Qui gens que nous-mêmes, nous t'es qu'à forger pour nous faire la France reconnaître, non, à part entière, en dedans colonie sans que Colombien eux-mêmes yo pas maltraité non parce que c'est petit yo que noyé ça a pas posé après l'indépendance et moi-même moi voulais que historien haïtien yo essayer comprendre bien parce que les a fait l'histoire pour comprendre que là gagne blocus là c'est à partir de là qu'elle sorti qui fait que question de nation hein, aspiration pas vraiment commune et puisque chaque nèg te gagne agenda pa yo mais erreur fondamentale que nous en fait et son constante historique parce que sous garder tout mouvement politique yo en Haïti et que ces mouvements 46 et même avec la montée de Duvalier encore problème là c'est que nous fonctionnait tant coup et sapeurs pompiers